Le chiffre global du panier se situera à 191,73 €. Et ça représente par rapport à l'année dernière une progression de plus 0,78%. Les hypermarchés augmentent de 0,96, donc un petit peu plus que l'inflation. Les supermarchés n'augmentent que de 0,36% et les magasins dits spécialisés augmentent, eux, beaucoup plus que l'inflation, sont à 2,12% exactement. Sur les articles papeterie et fournitures non papetières, on est à peu près à l'inflation, 0,7 et 0,65, et les articles de sport ont augmenté, eux, de 7,7%. Pour les familles, on peut faire des petites économies, bien sûr. Toujours faire attention à la fin d'une année à ne pas jeter systématiquement tout ce qui est dans le sac de l'enfant. Les prix ne sont pas les mêmes partout. Il y a très souvent des offres promotionnelles. La vente par lot est intéressante. Quand vous achetez 3 cahiers au même format par lot, c'est toujours moins cher que si vous les achetez séparément.